J'ai toujours tripé sur la mode. Quand j'ai fini mon bac en nursing, je me suis dit, let's go, faut que je me lance. J'avais jamais cousu ma vie, j'avais jamais fait de patron, mais j'avais toujours plein d'idées dans ma tête. Puis je me suis dit, let's go, c'est là. J'ai dit, je me lance, je m'en vais à l'école, puis c'est là que ça commence. Il n'y a pas énormément de designers masculins ici à Montréal. Moi, ce qui va vraiment m'inspirer, c'est le tissu. Puis je vais aller m'inspirer des tissus, des patterns, des motifs. Ça, c'est quelque chose qu'il y a toujours dans toutes mes collections. Ce qui est côté design, on l'apprend, mais ce qui est côté business, à l'école, on n'apprend pas ça du tout. Pour moi, ça, c'est vraiment été le côté le plus challengeant de toute ma carrière. Normalement, on doit produire 2 collections par année, soit printemps-été et automne-hiver. Pour moi, c'est un petit peu difficile parce que j'étais toute seule, mais là, maintenant que j'ai une couturière qui travaille avec moi à temps plein, c'est un petit peu plus facile. Donc, c'est énormément d'heures de couture, c'est énormément de temps de préparation aussi. Puis comme je travaille à temps plein aussi dans un autre emploi, ben c'est assez difficile pour moi d'être capable de vraiment en suivre tout ça. Donc, j'essaie de sortir des micro-collections un petit peu plus condensées, mais en sortir plus souvent.